grande journée. Le Servorium, c'est un espace assez clos, confiné. On est allongé par terre, tous en cercle. On est rentré dans le cerveau de Pierre, là en l'occurrence, qui nous a prêté ses ondes cérébrales. Ça change des conférences classiques avec un écran plat et des chaises toutes froides. Là, on était très très bien. Comme j'ai dit, ce sont des peluches neurones. C'est et pour s'amuser et pour apprendre. Le message électrique va être commandé dans la tête du neurone. Il va démarrer au niveau du petit nœud papillon et ensuite va passer comme ça tout le long du corps du neurone. Et donc quand le neurone suivant il a reçu les petites boules dans ses récepteurs, il dit « Ah, j'ai reçu un message, il faut que j'en renvoie à mon tour ». L'application sert à relier la Kinect avec Street View pour pouvoir se déplacer dans Google Street. Donc la personne n'a qu'à faire certains gestes pour avancer dans les panoramas, tourner et regarder la carte. Le but de l'application, c'était de faire une étude sur le geste en tant que moyen d'interaction. Au forum de Sciences Co, aujourd'hui, je présente les paysages sonores qui sont une interface qui permet de jouer des images et des sons en même temps. C'est un travail qui est inspiré des synesthésies auditives particulièrement, qui est le fait de voir les sons. Je compose entre guillemets des sons en manipulant des images. Alors le son devient plus ou moins aigu, il se déplace dans de gauche à droite, où on peut changer aussi la couleur de la forme et voir ce que ça fait dans le son. Ça donne à l'approche sonore une plasticité. Je vais compter jusqu'à 5. T'inquiète. À la 1. À la 2. On m'a mis sorte de masque. En fait, on ne voyait pas du tout autour des gens. On voyait juste une table et on avait un gant et on avait la main, enfin une main virtuelle posée. L'hypothèse qui est ce corps est le mien, elle dépend en fait des sens. Elle dépend de l'intégration du toucher, du visuel. Si vous mettez une stimulation avec un pinceau par exemple, à la fois sur cette fausse main et sur la véritable main, au même moment, synchronisée et au même endroit, ça va envoyer un message au cerveau du sujet, comme quoi cette fausse main est votre main. Le but du forum des sciences cognitives, c'est d'ouvrir les sciences cognitives au grand public et également de mettre en présence les différents acteurs du domaine. Donc on espère que ça a été une réussite aujourd'hui. Bien sûr, on espère tous vous voir l'année prochaine. Chaque année, de toute façon, c'est trop bien. Petit coup, bah, cette année, c'est l'organisation en plus, c'était marrant. C'est une vision différente, on peut assister à moins de temps de conférences, mais ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup quand même.